Mouaké, sécurisation de la fête de Pâques, les autorités administratives multiplient les rencontres. RTI 2 à l'intérieur du pays, cérémonie d'inauguration de l'émetteur RTI 2, un autre regard. Mouaké santé, prévention contre la fièvre hémorragique Ebola, destruction d'une importante quantité de viande boucanée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonne fête de Pâques à toutes donc et à tous. Envie de passer donc la fête de Pâques dans les conditions les meilleures. Le préfet de Mouaké a rencontré les élus, les leaders d'opinion et les membres de la société civile. Des dispositions sécuritaires à cette occasion ont été prises, nous dit notre reporter Kader Sogodogo. Le Vébaoulé bat le record d'affluence à l'occasion de la fête de Pâques. Des personnes qui viennent en général des zones forestières. Après la vente de produits agricoles tels que le café et le cacao, elles regagnent leur région d'origine. Cette période est mise à profit pour régler des problèmes familiaux et même des projets de développement dans les villages. Malheureusement, depuis un certain temps, cette période est synonyme d'insécurité. Pour Pâques-Nous 2014, le préfet de police de la région de Béké rassure la population quant aux dispositions sécuritaires prises pour fêter. Nous comptons remettre ce que nous avons fait l'année passée en place et même l'améliorer. Nous travaillons là-dessus avec l'administration du territoire, avec nos amis des forces de l'ordre, la gendarmerie, les FRCI. Aujourd'hui, les eaux et forêts sont beaucoup sollicités par rapport aux mesures sécuritaires à prendre pour lutter contre l'épidémie de la fièvre Ebola. Et nous avons besoin du concours de tout le monde en matière d'information. De nombreux membres du gouvernement sont attendus dans le Vébaoulé à l'occasion du week-end pascal. RTI 2, désormais à l'intérieur du pays, l'émetteur de RTI 2 sera inauguré demain par Mme Afousiata Bambalamine, ministre de la Communication. Ce sera en présence du directeur général de la RTI, le reportage de Charles Tatou. La chaîne de télévision RDI 2 arrose désormais de ses émissions Mouaké, chef-lieu de région de Mouaké et ses villes périphériques, grâce à un émetteur de 5 kW. Installé récemment, l'émetteur de RTI 2 à Mouaké va connaître une mise en marche officielle. Et c'est la ministre de la Communication, Afousiata Bambalamine, qui viendra en personne vendredi à Mouaké pour l'inauguration. Elle sera accompagnée d'une forte délégation des sommités de l'audiovisuel avec à sa tête le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Quant aux dispositions pratiques dans les foyers à Mouaké pour avoir accès aux émissions de RTI 2, elles sont toutes simples. Soutient le directeur de la diffusion et de la transmission. On aura RTI 2 à Mouaké, Béomi, Katiola, Obodokro, Botro, Mayakro, Didievi, Sakassou, Tchébissou. Pour avoir RTI 2, il suffit d'avoir une antenne ordinaire qu'on appelle antenne Yagi, orienter l'antenne vers le centre émetteur. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la télécommande, ils peuvent se mettre en recherche automatique et le téléviseur retrouve RTI 2. On peut avoir RTI 2 sur la fréquence 217.25 MHz. L'antenne Yagi, c'est les antennes ordinaires qu'on retrouve au commerce. C'est ce que les téléspectateurs doivent acheter. L'apparition des images de RTI 2 dans le Béké est une volonté du DG de la RTI, Amadou Bakayoko, qui a renforcé des équipements techniques à Mouaké. Ce nouvel appareil, nul doute, élargira l'audience de l'entreprise RTI, dont la vision de son directeur général est de donner l'opportunité aux populations de Mouaké, deuxième plus grande ville du pays après Abidjan, de recevoir, en plus du programme de RTI 1, toutes les émissions de RTI 2. Et toujours dans le domaine de la communication, la radio confessionnelle Al-Bayan s'installe ici même à Mouaké. Al-Bayan s'installe à Mouaké pour la promotion de l'islam et surtout pour la promotion de la cohésion sociale. Le reportage de Ouattara Yedeba est commenté par Kader Sogodogo. Heureuse est la communauté musulmane de la région de Béké. La raison, la radio islamique Al-Bayan a désormais une antenne régionale à Mouaké.
Cette station de radio a été officiellement ouverte à travers une cérémonie de lancement de ses activités au palais du carnaval de Boaké. Plusieurs autorités politiques, administratives et religieuses ont rehaussé de leur présence la cérémonie, ainsi que de nombreux fidèles musulmans témoins de l'événement. Le directeur général de la radio Al-Bayan définit les missions de cette radio. C'est une mission d'éducation, d'information, de sensibilisation, de pacification ou de paix, d'amour, de fraternité et de tolérance entre tous les habitants et tous ceux qui sont de passage à Boaké. Occasion pour les intervenants de saluer l'avènement de la radio Al-Bayan à Boaké, localité où l'islam est fortement implanté. Aussi ont-ils souligné le rôle important que joue la communication dans la compréhension de l'islam et dans le processus de réconciliation nationale. Si les radios font leur travail, si les télévisions font leur travail, vous verrez qu'il y aura moins de problèmes, la paix sera beaucoup plus consolidée parce que les informations circuleront de plus en plus facilement et les citoyens lambda que nous sommes seront à même de pouvoir avoir un comportement identique partout où nous serons. La cérémonie a été marquée par des cantiques religieuses et des prières de bénédiction. Créée en 2001, la radio Al-Bayan couvre plus de 75% du territoire national. Les responsables de ce outil de communication ambitionnent de créer une chaîne de télévision plus tard et réaliser d'autres projets de développement. La radio Al-Bayan peut être captée sur les 100.7 en modulation de fréquence. Séance d'information et d'échange des députés de Boaké avec les différentes couches sociales. La séance vise à expliquer l'importance des lois votées à l'hémicycle et ces lois en rapport avec le foncier rural, la nationalité, l'apatridie et le mariage. C'était le 11 avril dernier au Centre culturel Jakaka. Le reportage de Ouattara Guédéba est commenté par Ouattara Amadou. En vue d'amener les populations à mieux comprendre les lois nouvellement votées à l'Assemblée nationale, les députés de la commune de Boaké ont initié une séance de sensibilisation et d'échange sur ces lois, notamment le foncier rural, la nationalité, la patridie et le mariage. Ces séances d'information visent à expliquer et à vulgariser les lois votées au cours des sessions parlementaires écoulées. L'honorable Diomandé Mondéni a entretenu l'assistance sur la loi du mariage. C'est une loi qui replante le décor du couple. Les femmes et les hommes sont égaux. Les parlementaires Luc Kwaku Abonoa et Diomandé Lassina ont quant à eux instruit respectivement la population sur le foncier rural, la patridie et la nationalité. Le foncier, c'est simplement une prorogation de délai, n'est-ce pas, qui a été accordé aux uns et aux autres pour vous faire constater l'exercice paisible et continu de leurs droits coutumiers et pour consolider les droits qui leur ont été concédés par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons reprécisé un certain nombre d'aspects sur le code de nationalité relativement au mode d'acquisition de la nationalité. Des aspects à caractère social et qui peuvent entraîner un déchirement au niveau du tissu social que nous sommes en train de constituer. Les initiateurs de ce rassemblement ont promis de rendre périodique ce cadre de concertation et d'échange afin que les populations soient imprégnées du bien fondé de ces lois. Un peu plus au nord de Boaké, les associations pour le développement du Ouagadougou réunies en fédération est dénommée Ouarodé. L'union faisant la force, les membres de cette fédération veulent contribuer à l'essor de leur terroir commun. Le lancement de leur activité a eu lieu le week-end dernier à Séguéla. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Les populations de la région de Ouarodougou ont décidé de fédérer leurs forces et énergies pour le développement de leur localité. Cette volonté s'est traduite par la création d'une fédération réunissant toutes les associations agissant dans le développement du Ouarodougou. Cette fédération, dénommée Ouarodé, compte environ 200 associations. Les ressortissants du Ouarodougou, les Koyaka, sont venus de toute la Côte d'Ivoire et même de la diaspora pour le lancement officiel des activités de la fédération Ouarodé. Les différents intervenants ont salué cette union des filles et fils du Ouarodougou autour d'un idéal commun, le développement. Pour le président de la fédération, le Ouarodé est apolitique et se veut un outil de développement
de la région. Le plan d'action que nous projetons s'articule autour de certains nombres de points. D'abord, l'élaboration d'un plan stratégique de développement. La mise en place d'un fonds de garantie pour le financement des micro-projets. Un appui juridique à la régularisation administrative des associations de la région. Ces populations ici présentes se sont appropriées les notions de tolérance, de cohésion et de réconciliation nationale si chères à notre président Alassane Dramane Ouattara, promoteur du vivre ensemble. La cérémonie s'est achevée par l'inauguration du siège de la fédération par le maire de la commune de Séguéla, Diomandé Lassina. Un siège proche des populations afin de recueillir leurs préoccupations pour le développement du Horodougou. Dans la commune de Bassawa, département de Dabakala, Bassawa dispose désormais d'une école maternelle et bien sûr d'un foyer polyvalent pour la formation et l'épanouissement des jeunes de Bassawa. Le reportage de Brahima Adomia. La santé et la formation des jeunes sont les principales préoccupations des élus de Bassawa dans le département de Dabakala à 126 km de Boaké. La rencontre du jour avait pour objectif de promouvoir les actions de développement, dont plusieurs sont à l'actif du maire Ouattara Sanga. Il s'agit de la réhabilitation du foyer polyvalent et la construction d'une école maternelle. Le coût total est estimé à 106 millions de francs CFA. Pour le maire Ouattara Sanga, qui avait à ses côtés les élus et autorités administratives du département de Dabakala, ces réalisations traduisent bien, dans les faits, les engagements pris pendant la campagne électorale. L'année prochaine, nous prévoyons construire un pavillon d'hospitalisation de 6 lits au centre de santé. Nous avons encore 3 classes dans un village de la commune. Quelques bénéficiaires expriment leur satisfaction. Et bientôt, c'est la Coupe du Monde. Voilà, les deux groupes venus se retrouver pour suivre les matchs de football. On a besoin de produits quand même pour le centre de santé, pour que ça avoir une nouvelle ambulance, pour faire nos transferts des malades. L'honorable Ouattara Nzoumana a saisi cette occasion pour exhorter les populations à se faire recenser, tout en leur expliquant le bien fondé de cette opération. Il a félicité le maire et son équipe pour le travail abattu. Quant au sous-préfet de Bassawa, Youlou Yougila Brice, il a encouragé les populations au travail dans l'union et la solidarité. Aussi a-t-il demandé aux jeunes d'entretenir les infrastructures mises à leur disposition. Une belle cérémonie qui a pris fin par des danses du terroir Jimini Djamala. À Yamoussoukro, capitale politique de notre pays, les élèves en fin de cycle secondaire ont été éclairés sur le choix de leur future carrière. Occasion pour les organisateurs d'attirer l'attention des jeunes filles sur les grossesses en milieu scolaire, un phénomène qui gagne du terrain dans notre pays. Organisée par le Centre d'information et d'orientation, cette journée carrière a pour objectif de mieux éclairer le choix et l'orientation des élèves en fin de cycle secondaire. D'où le thème « L'information en orientation scolaire, gage d'un projet professionnel réussi ». Cette journée était enrichie de plusieurs communications portant sur « Cursus scolaire sans grossesse pour un projet professionnel réussi ». À Yamoussoukro, les grossesses en milieu scolaire compromettent l'avenir de plusieurs jeunes filles. Les grossesses en milieu scolaire ont pris une certaine proportion. Déjà, on annonçait 84 grossesses. Selon le médecin-chef du service de santé scolaire et universitaire, le déficit en communication entre parents et enfants en est la cause. Nous pensons que les parents sont en première ligne pour essayer de communiquer avec leurs enfants, pour essayer de partager leurs inquiétudes et de les suivre un peu. Certaines élèves, à l'image de Kwame Satio, sont cependant conscientes que les études doivent prendre le pas sur les plaisirs du monde. Je demande à toutes les filles de se mobiliser massivement pour que cette année, on dise qu'en Côte d'Ivoire, qu'il y ait zéro grossesse en milieu scolaire. Le Centre d'information et d'orientation a joué sa partition, celle de conseiller et d'orienter pour une bonne carrière. Et chaque élève a entre ses mains les leviers de son propre destin.
Et toujours dans le domaine de l'éducation, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire est de Katiola à 50 ans. Les responsables de cette circonscription administrative ont fait le bilan et réfléchi sur l'avenir de l'éducation dans la région du Hambol. Le reportage de Brahima Doumbia, commenté par Ouattara Amadou. 1963-2013, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Katiola avait 50 ans. Un cinquantenaire qui a été célébré cette année 2014 avec faste, mais surtout dans le souvenir. Au cours des festivités, les différents intervenants ont salué le travail abattu par les enseignants pour inculquer le savoir aux enfants. Ils ont relevé le rôle important des enseignants dans l'éducation des tout-petits, ce qui leur vaut aujourd'hui des encouragements et des félicitations. Cependant, ils ont été interpellés sur les grèves intempestives qui mettent à mal la formation des enfants. Aussi, les intervenants ont-ils condamné les abus sexuels et les violences faites aux enfants. L'inspecteur de l'IEP de Katiola a promis redoubler d'efforts pour une éducation d'excellence dans sa zone de compétence. Pour nous, c'est un nouveau départ. À partir de là, nous observerons de meilleurs résultats pour nos enfants, et les enfants de cette région et au-delà, les enfants de notre pays, pour que nous ayons un devenir radieux pour le développement de ce pays. L'inauguration de la nouvelle clôture de l'IEP de Katiola, un défilé, une conférence, un match de football, une remise de diplômes aux enseignants et un sketch ont ponctué la célébration du cinquantenaire de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Katiola.